Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va répondre à la question que vous êtes nombreux à me demander, combien j'ai de Playmobil. Dans cette vidéo je vais donc compter tous mes Playmobil. Donc ce qu'il faut savoir c'est que mes Playmobil ils sont pas tous dans un tas, c'est qu'ils sont triés et rangés correctement. Donc bien sûr j'ai le tri de base, genre Playmobil enfant et Playmobil adulte sont séparés. Mais après j'ai genre les Playmobil de Noël, les Playmobil un peu féeriques qui sont aussi séparés. Ce que je veux dire c'est que de base ces Playmobil sont triés, sauf que il y a bien quelques Playmobil qui doivent être perdus dans un placard. Donc ce que je vais faire c'est qu'on va laisser une marge de genre 10 Playmobil en plus. Surtout qu'il y a des personnages que je sais que j'aime et je les trouve pas en fait. Donc voilà. Enfin bon, assez papoté, on va commencer donc par les enfants. Floup. Ok, le focus, génial. Donc vous voyez que tous mes Playmobil enfants sont censés être là-dedans. Et en plus en voyant ça je suis en train de penser que j'ai même passé des Playmobil à ma sœur. Donc voilà, la marge de 10, on va vraiment pas l'oublier. On va rajouter 10 Playmobil en plus au total à la fin. Bon ben c'est parti, hein. Déjà un Playmobil avec Lola. Alors juste pour le son, désolé s'il sera moins bien que quand je fais un film, parce que du coup je suis un peu éloignée de la caméra. Et vu que je n'ai pas de micro, ben on va faire comme ça. Bon ben c'est parti, hein. Déjà un Playmobil avec Lola. Alors juste pour le son, désolé s'il sera moins bien que quand je fais un film, parce que du coup je suis un peu éloignée de la caméra. Et vu que je n'ai pas de micro, ben on va faire comme ça. Donc c'est parti, alors un Playmobil avec Lola. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 et 71. Ok, donc voilà tous les Playmobil enfants que j'ai. Donc j'en ai 71 au total. Comme vous pouvez le voir, il y a des Playmobil lutins de Noël et aussi fées. Et franchement, je pensais pas que j'en avais autant, parce que j'ai l'impression que je les ai déjà tous utilisés et je pensais vraiment que j'en avais genre une quarantaine ou quelque chose comme ça. Mais bah voilà, du coup j'ai tout ça. Et vous voyez que ça va super vite parce que j'ai l'impression que j'ai déjà vraiment tous utilisés en vidéo. Donc moi j'aimerais bien en avoir d'autres, genre des nouveaux peut-être, pour les intégrer dans les vidéos. Enfin voilà, du coup j'ai 71 Playmobil enfants et maintenant on va passer aux Playmobil adultes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Soixante, soixante-dix. On va peut-être se reculer un peu maintenant. 80, 90, 100, 110, 120, 130, 131, 132, 133, 134, 135 et 136. J'ai aussi juste retrouvé lui dans les personnages adultes, donc ça rajoute un enfant, donc 72 enfants. Et je viens aussi de trouver maman, donc 137 adultes. Donc 72 plus 137, ça nous fait 209 Playmobil. Et en rajoutant la marge d'erreur de 10 Playmobil, 219 en fait. Voilà, donc vous saurez enfin combien j'ai de Playmobil, du coup 219 Playmobil. Donc si vous les comptez, dites-moi aussi dans les commentaires combien vous en avez. En vrai, quand on voit comme ça, je sais pas, ça paraît énorme, mais j'ai l'impression que dans les vidéos, ça va hyper vite. Ben déjà, tout simplement, déjà, si je veux faire une vidéo colonie, ben vous voyez, je pourrais pas utiliser beaucoup d'enfants, parce qu'il y en a déjà qui sont par exemple dans la classe des enfants, ou alors qui connaissent déjà un ami. Donc on dirait vraiment que j'en ai vraiment beaucoup beaucoup, mais pour faire les vidéos, je pense qu'il m'en faudrait déjà plus d'enfants, c'est sûr, parce que les adultes, franchement, je les ai pas du tout tous utilisés, je sais. Mais c'est vraiment les enfants, je pense qu'il faudrait que j'en achète des nouveaux. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner. Et on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo.